decline of American power, which is quite real, but long-standing. It begins immediately after the Second World War. Le déclin américain, je pense qu'il est quand même bien réel, et on peut remonter à la Deuxième Guerre mondiale pour voir les origines de ce déclin américain. In 1939, when the war broke out, President Roosevelt and his advisors took for granted that the war would end with the United States in a position of overwhelming power. En 1939, alors que la guerre venait d'être déclarée, le président américain de l'époque, Roosevelt et ses conseillers, avaient déjà une idée très claire du fait que, une fois que la guerre serait terminée, les États-Unis seraient en position dominante. There were high-level meetings, we have all the records, planning the contours of the post-war world that they took for granted that the United States would largely dominate. Il y avait toute une série de réunions de haut niveau qui ont eu lieu à l'époque. Tout ça a été très documenté et on le trouve dans les archives, qui montrent qu'il y avait déjà des plans très précis pour l'après-guerre de la part des dirigeants américains. It's worth paying close attention to their plans, for one reason, because they were implemented, and for another reason, because they're highly instructive about the history since and the present day and the likely future. Et ça vaut vraiment le coup de regarder de plus près les projets qui sont nés à l'époque, non seulement parce qu'ils sont bien documentés et qu'on peut regarder ça dans les documents, dans les archives, mais aussi parce que c'est très informatif sur la situation actuelle et sur le futur. They delineated what they called a grand area that the United States would dominate. Les dirigeants américains avaient à l'époque défini une sorte de vaste zone sur laquelle les États-Unis auraient un pouvoir dominant. The grand area would include at least the entire Western Hemisphere, the entire Far East, and the former British Empire, which the U.S. would take over, including quite crucially the Middle East oil reserves, Western Asia. Alors cette vaste zone comprenait l'hémisphère occidental, ce qui veut dire en américain les Amériques du nord au sud, l'Extrême-Orient, l'ancien empire colonial britannique, et y compris bien sûr le Moyen-Orient et ses ressources. The French Empire was regarded as finished. The US would take it over. L'empire colonial français était déjà considéré comme une chose du passé à l'époque. Les Américains en étaient déjà persuadés en 1939. Crucial oil-producing regions, France was expelled and its rights were abrogated on the interesting grounds that France was an enemy country, having been occupied by the Nazis, so it no longer had any rights. Les Français avaient déjà été expulsés de toutes les zones d'exploration pétrolière et, and you repeat this last part? Et le fait que la France était de toute façon un pays occupé par les nazis, un pays ennemi, donc l'affaire était déjà classée. The British, in contrast, were to be what was called a junior partner in the U.S. Enterprise of running the world. La Grande-Bretagne était considérée comme le partenaire, le junior partner, le partenaire accessoire, le partenaire junior des États-Unis dans ce plan de conquête de cette vaste zone. The British Foreign Office was rather unhappy about this, but they realized that that's the way it's going to work. There's a name for that, it's called the special relationship. Le ministère britannique des Affaires étrangères, qui était au courant de tous ces plans, n'était pas ravi à l'époque, mais enfin il s'était fait une raison, et c'est ce qu'on appelle la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni. The special relationship was defined by a high official of the Kennedy administration. He said, Britain is our lieutenant. The fashionable word is partner. And the British like to hear the fashionable word. Alors, il était clair à l'époque que cette relation spéciale, on dirait officiellement que la Grande-Bretagne resterait un partenaire, mais en fait, la Grande-Bretagne était un partenaire de second rang pour les États-Unis. Going back to the Second World War, after Stalingrad, as the Russian army started
grinding down the Wehrmacht, plans changed. Alors revenons à la Deuxième Guerre mondiale. Après Stalingrad, quand l'armée soviétique commençait à faire battre en retraite l'armée allemande, les choses ont commencé à changer. They recognized that Germany would not survive the war as a major power, and therefore the Grand Area would be expanded to include as much of Eurasia as possible, at the very least its commercial and industrial center in Western Europe. Donc une fois qu'il était clair que l'Allemagne ne gagnerait pas la guerre en Europe, les États-Unis ont révisé leur plan pour inclure dans cette vaste zone l'Europe occidentale, en plus de toutes les zones dont on a parlé tout à l'heure. There were certain doctrines that were to prevail in the Grand Area. Il y avait un certain nombre de doctrines qui allaient dominer cette vaste zone. The United States would hold unchallenged power with military and economic dominance, and no exercise of sovereignty would be permitted that interferes with U.S. global designs. Donc les États-Unis allaient avoir un pouvoir incontesté sur cette vaste zone d'influence avec une dominance économique et militaire, et la souveraineté des États concernés dans cette zone d'influence ne devait en aucun cas remettre en cause la dominance des États-Unis. It's worth bearing in mind that these doctrines still hold, though the capacity to implement them has significantly declined. Il est bon de se rappeler que cette doctrine a encore cours à l'heure actuelle, même si son application est de plus en plus difficile. And the grandiose conception was intelligible at the time. The United States had a position of historically unprecedented power. Cette conception grandiose reposait sur une réalité à l'époque. Les États-Unis avaient véritablement un pouvoir sans précédent. The United States had literally half the world's total wealth. Les États-Unis représentaient à peu près la moitié de la richesse mondiale. It had an incomparable position of security. Une position incomparable en termes de sécurité, on parle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Controlled the whole Western Hemisphere, controlled both oceans, controlled the opposite sides of both oceans. Contrôler l'Amérique du Nord au Sud en passant par l'Amérique centrale, les deux océans Pacifique et Atlantique et les rives opposées de ces deux océans. And then the plans were in fact implemented in a very careful, precise way. I don't have time to review the details. Et tous ces projets ont été précisément mis en œuvre. On n'a pas le temps de passer en revue tous les détails de la mise en œuvre. However, very quickly, the grand area began to erode. Pourtant, très rapidement, cette idée de la vaste zone d'influence a commencé à perdre de sa signification. The first major decline was in 1947. With what is called the loss of China. Le premier coup contre cette doctrine de la vaste zone d'influence, c'est 1947 avec ce qui a été appelé par les États-Unis la perte de la Chine. The phrase is interesting. L'expression elle-même est intéressante. You can only lose something that you possess. On peut en fait perdre que ce qu'on possède. And it's taken for granted that the United States essentially owns the world, so if something falls away, we've lost it. You know? Et donc il était évidemment acquis que les États-Unis possédaient l'ensemble du monde. Donc évidemment, quand on perd une partie du monde, et bien c'est les États-Unis qui perdent cette partie du monde qui est la Chine, qui devient communiste en 1947. It's quite interesting that this usage is never questioned or even noticed. Cet usage n'a d'ailleurs même jamais été remarqué ou même remis en cause et questionné. Problems quickly arose elsewhere in the Grand Area. Et alors, très vite, il y a des problèmes qui sont apparus dans d'autres zones de cette vaste zone de dominance américaine. In Southeast Asia, the Vietnam problem began for the United States. Dans le sud-est asiatique, les problèmes ont commencé au Vietnam pour les États-Unis. Much more significant, however, was the
possible loss of Indonesia. That's a really rich prize. Mais il y avait des problèmes beaucoup plus importants à l'époque. C'était la possible perte de l'Indonésie, qui était véritablement le gros lot, bien plus que le Vietnam à l'époque. In 1958, President Eisenhower carried out the largest post-war intervention, secret at the time, to try to support a military coup in Indonesia, which would strip away the outer islands where all the resources were and keep them under U.S. control. En 1958, il y a eu une opération secrète déclenchée par le président Eisenhower pour susciter un coup d'État en Indonésie qui aurait permis de garder sous contrôle américain une partie des îles indonésiennes dans lesquelles se trouvait l'essentiel des ressources naturelles de l'Indonésie. That effort failed, but in 1965, there was a U.S.-backed military coup, General Suharto, who carried out staggering mass slaughter that was a gleam of light in Asia. It was described in the New York Times. Alors, cette tentative en 1958 a échoué, mais en 1965, il y a eu un coup d'État militaire en Indonésie, soutenu par les États-Unis, qui a amené au pouvoir Suharto, qui s'est rendu coupable d'un massacre sans précédent en Indonésie, et le New York Times avait alors parlé de « gleam of light », d'une lueur d'espoir dans la région. They killed hundreds of thousands of people, mostly landless peasants, destroyed. Des centaines de milliers de personnes ont été assassinées, essentiellement des paysans pacifiques. Destroyed the only mass political party in the country and opened the country to Western exploitation. Et le pays a été entièrement ouvert à l'exploitation occidentale des ressources naturelles. Euphoria in the West was unconstrained. Il y avait une euphorie sans limite à cette époque-là, en Occident et notamment aux États-Unis. Meanwhile, problems were also taking place in the Western Hemisphere. Au même moment, il y avait des problèmes sur le continent américain. The first major U.S. intervention in the Western Hemisphere was in Guatemala in 1954. La première des interventions militaires importantes sur le continent américain, c'est au Guatemala en 1964. The military coup organized by the United States overthrew the first democratic government in Guatemala, installed a vicious dictatorship, which in the following years killed several hundred thousand people. Un coup d'État soutenu par les États-Unis renverse un gouvernement élu démocratiquement et met en place un dictateur sanguinaire qui se rend coupable de massacres. It ended in the 1980s with Reagan's support, including the virtual genocide of the Mayan population in the Guatemalan Highlands. Et l'intervention américaine s'est poursuivie jusque dans les années 80 avec la responsabilité du gouvernement américain de Ronald Reagan à l'époque dans ce qui est possiblement un génocide contre les populations mayas du Guatemala. In the Middle East oil producing regions, troubles also arose very early. Le Moyen-Orient, là aussi, il y a des problèmes qui arrivent assez tôt après l'élaboration de cette idée de la vaste zone d'influence, notamment dans la région d'extraction du pétrole. In 1953, the United States and its British junior partner overthrew the parliamentary government in Iran. En 1953, les États-Unis et leur partenaire junior interviennent en Iran. Overthrew the parliamentary government, installed the dictatorship of the Shah. Renverse le gouvernement élu et installe la dictature du Shah d'Iran. And consequences of that are well known. I won't review them. Tout le monde connaît les conséquences. On va passer le temps là-dessus. So it continued around the world. Donc ça a continué à travers le monde. On pourrait multiplier les exemples. Meanwhile, the industrial countries were being reconstructed. Pendant ce temps-là, les pays occidentaux étaient en train de poursuivre leur reconstruction. Decolonization was taking its agonizing course. La décolonisation poursuivait son chemin. By 1970,
US power had considerably declined. On arrive en 1970 et là, le constat, c'est que le pouvoir économique américain a été considérablement réduit. The United States by then had about 25% of the world's wealth, which is still phenomenal, but much less than 50% after the Second World War. Les États-Unis représentent alors 25% de la richesse mondiale, c'est encore considérable, mais deux fois moins que ce qui représentait au moment de la Deuxième Guerre mondiale. And the capacity to coerce other countries, though still enormous, had very much declined. Et la capacité à influer par la force les autres pays avait considérablement diminué, même si elle restait considérable. By 1970, the industrial world was described as tripolar, three major centers. On parle d'un monde tripolaire en 1970, construit autour de trois centres principaux. North America, Western Europe, and East Asia, at that point, Japan center. L'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, et l'Asie de l'Est, avec le Japon en son centre. And so matters continued, coming up to this millennium, major changes have taken place. Et tout ça a continué, les changements dans ce schéma général se poursuivent jusque dans le millénaire actuel. But one of the most significant changes in world order took place in South America in the past decade. Un des changements les plus significatifs dans les 10 dernières années, s'est déroulé en Amérique latine, Amérique du Sud, un des changements les plus significatifs dans l'ordre mondial. For the first time in 500 years since the arrival of the European conquerors, Latin America, South America began to confront some of its fundamental problems. Pour la première fois depuis plus de 500 ans, depuis la conquête européenne en Amérique du Sud, les Sud-Américains ont commencé à s'attaquer à leurs propres problèmes. The model throughout South America was a tiny, Europeanized, often white elite, controlled with enormous wealth. Le modèle dominant, c'était jusque-là une toute petite élite européanisée, souvent blanche, qui contrôlait l'essentiel du pouvoir. Living in islands in a mass of incredible poverty. Vivant en isolation totale par rapport aux masses qui vivent dans la pauvreté. In the past 10 years, the South American countries have begun rather seriously to confront some of these problems. Et ces 10 dernières années, on a vu plusieurs gouvernements américains décider à s'attaquer de manière fondamentale à cette réalité. They have also, for the first time, begun to move towards integration, which is a prerequisite for independence. Pour la première fois, ils ont également commencé à s'attaquer au problème de l'intégration du continent sud-américain, ce qui est vraiment une condition essentielle pour l'indépendance. One symbol of this is a new organization established by the countries of the Western Hemisphere at a conference in Venezuela. It includes, the new organization includes every country of the Western Hemisphere except the United States and Canada. Un des symboles de cette évolution, c'est la mise en place d'une nouvelle organisation à l'échelle des continents américains, nord et sud, qui comprend tous les pays des Amériques, à l'exception des États-Unis et du Canada. C'est une organisation qui est née au Venezuela. It has its first meeting in a few weeks. La première réunion va avoir lieu dans quelques semaines. If it becomes operational, it will be a major change in the history of the Western Hemisphere. Si cette organisation devient opérationnelle, ce sera vraiment un changement considérable dans l'histoire des Amériques. One consequence is that the United States has lost every military base in South America. Et une des conséquences, c'est que les États-Unis seront obligés de renoncer à toutes leurs bases militaires dans le continent sud-américain. This is a rather serious blow to hegemonic grand area domination. C'est vraiment un des coups les plus sérieux à ce concept d'une hégémonie américaine dans une vaste zone de dominance américaine. But in the last few months, a much more serious one is developing. Mais ces derniers mois, il y a encore une autre menace à cette hégémonie américaine bien plus sérieuse qui s'est développée.
namely the Arab Spring. Le printemps arabe. Going back to Second World War, in the plans for global control, it was recognized that the Middle East energy resources were of unique significance. Alors, il faut revenir à la Deuxième Guerre mondiale. Dans les plans originaux, le Moyen-Orient avait déjà été identifié comme d'une importance stratégique capitale en raison des ressources énergétiques. One of President Roosevelt's leading advisors, influential advisor, observed that control of Middle East oil resources provides substantial control of the world. Un des conseillers les plus influents de Truman avait à l'époque reconnu que le contrôle du Moyen-Orient permettait un contrôle significatif de l'ensemble du monde. Yeah. President Eisenhower called it the strategically most important part of the world. Eisenhower lui-même a parlé de la partie stratégique la plus importante du monde. The State Department described it as a stupendous source of strategic power, one of the greatest material prizes in world history. Le Département d'État américain, le ministère des Affaires étrangères américain, parle également du gros lot pour le Moyen-Orient dans le paysage politique international. The United States, of course, intended to keep this prize for itself and for its clients. Et bien sûr, les États-Unis avaient l'intention de garder ce gros lot pour eux et pour leurs clients. And despite many problems arising since, that remained pretty much the case until this year. Malgré quelques problèmes par-ci par-là, c'est quand même resté le cas, une zone sous influence américaine jusqu'à ces derniers mois. In the last few months, the countries of the Arab world have begun to move in the direction that Latin America began to pursue about 10 years ago. Ces derniers mois, on a vu dans plusieurs pays arabes une évolution comparable à celle qui s'est produite depuis une dizaine d'années dans plusieurs pays d'Amérique latine. And that's far more serious for global control. Ça peut avoir bien sûr des conséquences bien plus fondamentales pour l'ordre mondial. It's important to recognize that the United States, France, Britain, other Western countries cannot tolerate a democratic uprising in the Arab world. Il est capital de comprendre que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et d'autres puissances occidentales ne peuvent pas tolérer des gouvernements démocratiques dans le monde arabe. And they will certainly do anything they can to prevent it. Et ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour l'éviter. There's a very simple reason for that. Il y a une raison très simple pour ça. Want to understand the reason? Simply take a look at the careful polls of public opinion in the Arab world. Pour comprendre cette raison, il faut regarder attentivement tous les sondages d'opinion qui ont été faits dans le monde arabe. These are taken by the most prestigious U.S. polling agencies. They're released by major institutions. C'est des sondages très sérieux qui ont été faits par des institutions américaines les plus recommandables qui ont été publiées dans les plus grandes publications. They're not reported by the press, but they're certainly known to planners. Have they been published? Oh yeah, they're perfectly public. Ils sont publics, mais ils ont été peu publiés dans la presse. Je corrige ce que j'ai dit. La presse n'en parle pas. If you look at them, you understand why. Si vous regardez attentivement à ces sondages, vous comprendrez très vite pourquoi ce n'est pas publié dans les journaux. It turns out that throughout the Arab world, the United States is regarded as the most serious threat that they face. À travers l'ensemble du monde arabe, les États-Unis sont perçus comme la menace la plus importante pour les populations arabes. In Egypt, the most important country, that's 90% of the population. En Égypte, ça représente 90% de la population qui considère que les États-Unis sont la principale menace pour le pays. The opposition to U.S. policy is so strong that a considerable majority think the region would be more secure if Iran had nuclear weapons to deter the United States. La menace américaine est considérée comme tellement importante que la majorité de la population égyptienne pense que le Moyen-Orient serait plus sûr si l'Iran possédait l'arme atomique.
in the region, maybe 10% think that Iran is a threat. Alors que les mêmes sondages montrent qu'à peu près 10% de la population seulement pense que l'Iran est une menace pour la région, pour leur pays. In Egypt, again the most important country, 80% think that it would be better for Iran to have nuclear weapons. En Égypte, 80% de la population estime que l'Iran devrait avoir l'arme atomique, que ce serait une bonne chose. Other figures are more or less similar, but if you think what they mean, it means that if there were functioning democracies in the Arab world, meaning public opinion could influence policy, not only would the United States not control the region, it would be thrown out. Quand on voit ces chiffres, on comprend bien que s'il y avait véritablement des démocraties qui fonctionnaient dans ces pays-là, ça serait une menace considérable pour les États-Unis, qui serait carrément mis dehors de la région. And if you look closely, the policies that the United States and its allies have followed conform very closely to these interpretations. Et si vous regardez bien les politiques mises en place par les États-Unis et leurs alliés, on comprend que c'est exactement l'analyse qui a été faite. So, take again, Egypt. In Egypt, the United States followed a game plan. Say that for... En Égypte, les États-Unis ont a game plan. Comment on peut dire ça? Un plan stratégique. Yeah. Voilà. En Égypte, les États-Unis ont établi un plan stratégique. There's a constant procedure that's used whenever you can't maintain your favorite dictator. Alors, pour le moment, ce qu'on dit, c'est que à partir du moment où il est possible de maintenir en place le dictateur préféré des Américains, support him as long as possible. Il faut le soutenir le plus longtemps possible. If the army turns against him, si l'armée se met à prendre des distances avec ce dictateur, then issue dramatic statements about your love of democracy and freedom. Alors c'est le moment de publier un communiqué plein de bons sentiments sur l'amour des États-Unis pour la démocratie et la liberté. Send the dictator off somewhere. Et d'envoyer le dictateur quelque part en exil. And try to maintain the old regime as much as possible. Mais en même temps d'essayer de maintenir l'ancien régime dans la mesure du possible. That is done so often that it takes genius not to perceive it. Ça a été fait tellement souvent qu'il faudrait vraiment être stupide pour ne pas le remarquer. Suharto, Somoza, Ceausescu, who was a favorite of the West. Avant Ceausescu, il y avait qui? Suharto en Indonésie. Suharto en Indonésie. Long list. Marcos aux Philippines. Ceausescu en Roumanie. Et la liste est longue. And that's exactly what's happening in Egypt. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment en Égypte. The oil-rich dictators who are loyal have free rein. Les dictateurs dans des pays riches en pétrole ont carrément la main libre. So, for example, in Saudi Arabia, the most important, there were attempts to join the uprising, but the security presence was so overwhelming that people were afraid to go out into the streets in Riyadh. Par exemple, en Arabie Saoudite, il y a eu des velléités de rejoindre le mouvement démocratique, mais la présence sécuritaire était tellement importante que ça a dissuadé les manifestants potentiels. There are all kinds of atrocities going on in Bahrain, but toutes sortes d'atrocités qui se déroulent à Bahrain en ce moment. But it's a loyal dictator, so they can do what they please. Mais c'est un roi du pétrole, et donc c'est un dictateur c'est un dictateur loyal, et donc le monarque de Bahreïn peut encore continuer à faire ça. Bahreïn, though small, is extremely important for two reasons. Bahreïn, bien que tout petit, est extrêmement important pour deux raisons. One, which is reported, is that it hosts the U.S. Fifth Fleet, which is the major military force. Il y a une raison qui est connue et la presse en a rendu compte, c'est que Bahreïn abrite la cinquième flotte américaine, qui est d'une importance stratégique capitale.
The other reason, which is much more significant, is that Bahrain is about 70% Shiite. It has a Sunni dictatorship. L'autre raison dont on parle moins, c'est que 70% de la population est chiite, mais le dictateur lui-même est sunnite. It's right across the causeway from eastern Saudi Arabia, which is also mostly Shiite, under a harsh Sunni dictatorship, and happens to have most of Saudi Arabian oil. Et on retrouve le même genre de problème entre chiites et sunnites, et chiites et sunnites, pardon, à travers toute la péninsule arabique et notamment en Arabie Saoudite. By a strange accident of geography, the main center of the world's energy happens to be in Shiite areas. Par un étrange accident de la géographie, la principale zone de réserve pétrolière se trouve dans une région habitée par des chiites. It's eastern Saudi Arabia, southern Iraq. Dans l'île de l'Arabie Saoudite, dans l'est de l'Irak. And southwestern Iran. Et le sud-ouest de l'Iran. And there's been a concern for a long time of planners that some tacit Shiite alliance might develop, controlling the bulk of the world's energy and moving towards independence. Et ça fait très longtemps que les planificateurs américains se sont souciés de la possible émergence d'une alliance chiite qui irait à l'encontre des intérêts américains. Well, there's a lot more to talk about. Let me just say that I'll end by saying that the initial moves towards democracy in Egypt, slight but significant, they've already had threatening consequences for U.S. domination. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je voudrais juste dire que ne serait-ce que le frémissement démocratique en Égypte a déjà des conséquences et sont déjà lourdes menaces pour les États-Unis. Egypt, for the first time in 30 years, permitted Iranian ships to transit the Suez Canal into the Mediterranean. Pour la première fois depuis 30 ans, l'Égypte a autorisé le passage de navires iraniens à travers le canal de Suez. That's supposed to be an American lake. Qui est considéré comme un lac américain, le canal de Suez. Just a few days ago, it was reported that Egypt permitted Iranian submarines to move into the Mediterranean to monitor Western naval operations. Il y a quelques jours, on a même dit que des navires, des sous-marins iraniens avaient été autorisés à franchir le canal. Egypt is moving towards opening the border to Gaza. L'Égypte est en train aussi de se diriger vers la possibilité d'ouvrir la frontière entre l'Égypte et Gaza. That, if continued, would break the U.S.-Israeli siege. Ça, si cette tendance se poursuit et se confirme, ça permettrait de briser le blocus. These are always called Israeli actions, but you have to remember that Israel can do nothing without the decisive support and participation of the United States. J'ai bien fait de demander une précision. Donc, ça permettrait de briser le blocus américano-israélien de la bande de Gaza. Israël prétend que c'est ses propres décisions, mais Israël ne pourrait rien sans le soutien des États-Unis. For 20 years, the United States and Israel have been dedicated to separating the two parts of Palestine, Gaza and the West Bank. Depuis 20 ans, les États-Unis ont tout mis en œuvre pour contribuer à séparer les deux parties des territoires palestiniens, la bande de Gaza et la Cisjordanie. And they've pretty much succeeded in doing so. Et ils sont en train de réussir, ils ont presque réussi. The reason is straightforward. La raison est simple. It undermines the possibility of a viable Palestinian state. Ça remet complètement en cause la possibilité d'un État palestinien viable. This is in direct contradiction to the Oslo agreements of 1993, which say that the two parts are a territorial unity. Tout ça est évidemment en contradiction fondamentale avec les principes établis lors des accords d'Oslo en 1993, selon lesquels
l'État palestinien qui verrait le jour devrait être devrait avoir une continuité géographique. The new government in Egypt, still a military government, but under popular pressure, it has brokered a unity agreement between the two Palestinian factions, Hamas and Gaza, Fatah and the West Bank. Le gouvernement égyptien, le nouveau gouvernement égyptien, c'est toujours un gouvernement tenu par les militaires, mais sous pression populaire, a facilité un accord entre les deux factions palestiniennes, le Fatah et le Hamas. And that again threatens the division that the U.S. and Israel have been trying to impose. Et là encore, c'est une menace à la division des territoires palestiniens que les États-Unis et Israël cherchent à imposer. It also makes it more difficult to prevent a diplomatic settlement. Ça aussi rend beaucoup plus compliqué la possibilité d'empêcher un règlement diplomatique. And you should remember that for 35 years, the United States has unilaterally blocked an overwhelming international consensus on a political settlement. Et il faut que vous sachiez que depuis 35 ans, les États-Unis ont tout fait pour empêcher un règlement politique de la question israélo-palestinienne. We're coming to a major problem in the next few months. Il y a un énorme problème qui s'annonce dans les mois à venir. In Israel, they call it a tsunami that's threatening. En Israël, on appelle déjà ça un tsunami qui menace le pays. The tsunami is that the Palestinians, with the support of the Arab League, are planning to approach the United Nations. Le tsunami en question, c'est que l'autorité palestinienne, soutenue par la Ligue arabe, envisage de demander la reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU. Yeah. Je vais aller trop loin. Right. They're very worried about it. The United States too. The United States is working very hard to pressure Europe not to vote with the rest of the world to accept this. Les États-Unis font tout ce qui est en leur pouvoir pour faire en sorte que les pays européens et l'Union européenne ne votent pas avec le reste des pays du monde pour reconnaître l'existence d'un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU. Outside of Europe, virtually the entire world has already recognized Palestine. En dehors des États-Unis, quasiment la totalité des États membres de l'ONU ont déjà reconnu l'existence d'un État palestinien. Far more countries recognize Palestine than recognize Kosovo. Il y a bien plus de pays qui reconnaissent la Palestine et qui reconnaissent le Kosovo. But there's really only one vote that counts, namely Washington. Mais il n'y a qu'un seul vote qui compte, c'est celui de Washington. And Washington recognizes Kosovo, so therefore it's accepted. Et les États-Unis ont reconnu Kosovo, donc c'est ça qui est important. Yeah. But Palestine is a different story. La Palestine, c'est une toute autre histoire. Palestine has already been, for many years, been accepted by the United Nations. La Palestine a déjà été acceptée par les Nations Unies depuis de nombreuses années. There are two UN organizations that Palestine cannot join, the World Health Organization and UNESCO. Il y a deux organisations onusiennes que la Palestine a pu rejoindre, c'est l'UNESCO et l'Organisation mondiale de la santé. And that's because the US has warned that if they're accepted, it'll defund the organizations. Excusez-moi, que deux organisations onusiennes que la Palestine n'a pas pu rejoindre parce que les États-Unis ont brandi la menace de supporter leur soutien financier à ces deux organisations si la Palestine était acceptée en tant que telle comme membre de ces deux organisations. There are already moves in the U.S. Congress, legislation pending to defund the United Nations totally if it accepts the Arab League-Palestinian initiative. Il y a déjà des projets au Congrès américain pour exiger que les États-Unis cessent tout financement aux Nations Unies en général si le vote en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien l'emporte à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. There was a very important meeting in Israel just a few days ago of a
of the major oligarchs who basically own the country. Il y a eu une réunion très importante en Israël ces derniers, il y a quelques jours, des principaux oligarques qui dirigent le pays. They warned that if this tsunami takes place, Israel will undergo a process of what they called South Africanization. Ils ont prévenu que si le tsunami se réalisait et si effectivement l'État palestinien était reconnu, ils engageraient une procédure similaire à ce qui se passe en Afrique du Sud. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud au moment de la The labor movement will refuse to load cargos. There will be a boycott. The economy will collapse. Il y aura un boycott. L'économie israélienne va souffrir d'un boycott considérable de la part de toute une série de pays. And they basically own it, so they don't want to see it collapse. Et en fait, ces oligarques-là, c'est eux qui possèdent l'économie israélienne, et donc c'est leurs propres intérêts qui seraient menacés. The next few months are going to be very tense in that region. Les prochains mois vont être vraiment très très tendus dans la région. Israel, with U.S. backing, may do something extremely dangerous to try to prevent the tsunami from coming. Israël, avec le soutien des États-Unis, pourrait tenter de faire quelque chose, d'entreprendre une opération radicale, pourrait empêcher ce tsunami. But whether it comes or not, the United States is, and the West generally, is substantially losing its capacity to control events in the Middle East. Cette opération se passe ou pas, ce qu'il faut retenir, c'est que les États-Unis sont petit à petit en train de perdre leur capacité à influencer ce qui se passe au Moyen-Orient. There's a lot more to talk about, say about all these things. I'll simply say that though the grand area principles still are maintained very explicitly, it's harder and harder to implement them. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire. Ce que je voudrais juste signaler, c'est que bien que les principes de cette vaste zone d'influence américaine soient encore et existent encore, la mise en œuvre de ces principes est de plus en plus compliquée aujourd'hui. Just a word about why I am very skeptical that power is shifting to the West, Asia. Donc je suis très sceptique sur l'idée d'un glissement du pouvoir vers l'Asie de l'Est. The world is definitely becoming much more diverse. Capacity to control it is declining. Le monde est naturellement en train de devenir beaucoup plus diversifié, alors que le déclin américain se confirme. But China and India are hardly poised to become dominant powers. Mais la Chine et l'Inde ont très peu de chances de devenir des pouvoirs dominants. One illustration is what the Human Development Index of the United Nations ranks countries in terms of their general social and economic health. Une illustration de ce que je suis en train de dire, si on regarde l'indice de développement humain qui est établi par le programme des Nations Unies pour le développement. China is ranked 90th alongside of El Salvador and the Dominican Republic. La Chine est située au 90e rang, au même niveau que le Salvador. India is 115th next to Cape Verde and Timor-Leste. Et l'Inde est au 115e rang à côté du Cap-Vert et de Timor-Leste. And these are extremely unequal countries, which means that the vast majority rank much lower. C'est des pays extrêmement inégalitaires, la Chine et l'Inde. The CIA estimates Chinese GDP, gross domestic product per capita, at about one-fifth of the Western countries. Si on prend les estimations de la CIA, le PNB par habitant en Chine est un cinquième de la valeur du PNB par habitant aux États-Unis. They face huge internal problems, ecological violence, repression, others, demographic problems. Il y a d'énormes problèmes internes en Chine, qu'ils soient écologiques ou démographiques.
écologique, problèmes environnementaux, which the West doesn't face. Auxquels les pays occidentaux ne sont pas confrontés. China is, of course, is described correctly as the major manufacturing country in the world. C'est le pays c'est l'atelier de la Chine et l'atelier du monde avec le plus grand secteur industriel. But that's highly misleading. That China is actually an assembly plant. Mais en fait, il ne faut pas se tromper sur la signification de ce terme d'atelier du monde, construit pour les pays occidentaux. The parts, the components, the high technology, they come from the surrounding industrial societies, Japan, Taiwan, South Korea. Les différents composants de ce qui est assemblé en Chine viennent de pays voisins dans la région asiatique, du Japon, de Corée du Sud. They're sent to China to assemble. Et c'est uniquement l'assemblage qui est fait en Chine. And the same is true of the United States and Western Europe, that sends parts, components, high technology for assembly and export. On pourrait dire la même chose des États-Unis et des pays d'Europe occidentale qui eux aussi envoient les parties qui vont être assemblées en Chine. If everyone is familiar with the trade deficit to China. Je ne sais pas si vous êtes familier du déficit commercial, de l'idée du déficit commercial de la Chine. However, if it's calculated accurately in terms of what's called value added. Mais si on le calcule précisément ce déficit commercial de la Chine en termes de valeur ajoutée, then the deficit with China declines by about 25%. And it increases with Japan, Taiwan, South Korea by the same amount. Alors le déficit commercial à l'égard de la Chine est réduit de 20%. Déficit commercial à l'égard de la Chine, de la part des États-Unis et des pays dont on vient de parler. Over time, China will climb the technological ladder, but it's a long, difficult path. Bien sûr, la Chine va grimper sur l'échelle du progrès technologique, mais on en est encore loin. There is a real global shift of power going on, but it's a different one. Donc, pour revenir à l'idée d'un glissement de pouvoir, il y en a un qui est à l'œuvre en ce moment, et effectivement très réel, mais c'est pas celui auquel on pense régulièrement. It's described rather accurately in by the huge banks and their advice to investors. C'est un glissement de pouvoir qui va en direction des banquiers et des investisseurs. The world is dividing into what they call a plutonomy of extremely wealthy people who do most of the consumption and have most of the wealth. Le monde est divisé entre d'un côté une plutocratie, des gens qui possèdent l'essentiel des capitaux et qui sont les principaux consommateurs. The rest of the world, is, including in the rich countries, is described with a new word, precariat. It means precarious proletariat. Et le reste du monde, c'est ce qu'on appelle le précariat, le prolétariat précaire, y compris dans les pays occidentaux. This is the overwhelming mass of the population which lives a very precarious life. C'est bien sûr l'essentiel de la population qui vit dans des conditions extrêmement précaires. And investors are advised to concentrate on the plutonomy. Now that's where the wealth and the action are. Et les investisseurs conseillent d'investir plutôt dans cette plutocratie. Je ne sais pas si je traduis bien. And that's an authentic shift of power. Voilà, on a là un vrai glissement de pouvoir. From the global workforce to a small group of people who, most of them now involved in financial services, who they provide nothing to the economy, but they gain most of the wealth and do most of the consumption. De la classe ouvrière, glissement de pouvoir de la classe ouvrière vers une toute petite élite qui ne produit rien, mais d'une élite financière et qui représente les banques. I should just mention, without going into detail, that there's a kind of a shadow that hangs over all of these discussions about the future. Alors, il y a comme une menace qui plane sur le futur de cette petite élite. That is that the future may sur le futur. The future may not go on very long. Le problème, c'est que l'homme pourrait bien ne pas survivre longtemps. L'espèce humaine. For the first time in human history,
we're facing a situation where there's a significant and growing possibility of species destruction. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on pourrait assister à la disparition de l'espèce humaine. There are two major components to this. One is the threat of nuclear war, which is in fact growing. Le premier composant de cette disparition, c'est la menace nucléaire, qui est de plus en plus importante. And policies that are being taken by the rich societies are increasing that threat. Et les politiques qui sont mises en œuvre par les dirigeants ne font qu'accroître cette menace nucléaire. The other is environmental catastrophe. Et l'autre menace, c'est la catastrophe environnementale. Which is reaching a very dangerous point. Qui est en train d'atteindre un point vraiment très critique. Just last week, the International Energy Agency released its latest estimates of the greenhouse gas emission. La semaine dernière, l'Organisation internationale de l'énergie a publié ses derniers chiffres sur les émissions de gaz à effet de serre. Last year, despite the recession, was the highest ever. L'année dernière, malgré la récession économique, on n'a jamais émis autant de gaz à effet de serre que toutes les autres années qui ont précédé. They warned that the environmental destruction is now reaching the point which is regarded as the point of extreme danger, namely 2 degrees centigrade rise in temperature over the coming years. Et on est en train d'atteindre ce point critique avec la quantité de gaz à effet de serre qui sont émis cette année, le point critique d'un réchauffement de la planète qui excéderait les 2 degrés Celsius. And unfortunately, the policies of the rich countries, in particular the United States, les politiques des pays riches, en particulier des États-Unis, are significantly increasing the danger. Il faut augmenter cette menace et ce danger. The lead in trying to do something about that is in the poorest countries, like Bolivia, the poorest country in South America. Les pays qui prennent les devants pour essayer de lutter contre la menace environnementale, ce sont les pays les plus pauvres, et notamment la Bolivie. If there's ever any history in the future, this will be considered an astonishing era, the one we're now in. Voilà, ça pourrait être une époque remarquable les quelques années à venir, dans le sens qui a été sous-entendu par ce que vient de dire Noach. Merci.